bien le bonjour YouTube, c'est Furno et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre aventure sur Scorn, un jeu, bah, si vous avez vu les épisodes précédents, et je vous conseille d'aller les voir d'ailleurs, même si je suis plutôt mauvais, hein, dans le premier et le deuxième, un peu moins mauvais, mais ça laisse à désirer. Un jeu, ma foi, fort particulier. D'ailleurs, comme à notre habitude, trigger warning, le jeu lui-même prévient les personnes épileptiques de peut-être éviter. On n'a pas encore eu le cas. Enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment eu de flash lumineux qui pourrait donner des problèmes épileptiques. Mais le jeu le précise, donc je préfère le dire. Et comme je le dis, répète et répète toujours depuis le début de cette série, j'aime bien les trigger warnings pour éviter aux gens de regarder des choses qu'ils n'ont pas envie. Donc, pareil, deuxième trigger warning, le jeu, voilà, est relativement gore, et encore, ça vraiment, ça va. Ah, ça va, ça c'est limite beau à force. Hein. Quand je me suis retiré ce truc-là du corps, enfin, c'est même pas celui-ci, je sais plus, il est où. Ouais, celui-ci, là, voilà. Ah, mais ça veut dire que c'est énorme. Ah, au secours. Enfin, bon, bref, ouais, dans l'épisode précédent, on avait quitté la première zone. On s'est retrouvé dans une seconde zone dans laquelle on a débloqué vite fait une arme. Qu'on n'a plus d'ailleurs sur nous, parce que sur la fin, bah, on a fait exploser une sorte de truc semi-organique, semi-machine, et on s'est retrouvé à l'intérieur de ce cocon, justement, duquel on s'est libéré en tombant en arrière, et on s'est enlevé cette sorte de cordon ombilical du ventre. Voilà. Pour ceux qui se demandaient quel genre de gore c'était, on est à peu près sur ça. Et croyez-moi, c'est visuel. C'est assez visuel. Il y a encore pas mal de cadavres, mais au moins on est à l'extérieur. Hein, je sais pas si c'est plus rassurant vu l'état de la planète. Est-ce qu'on est sur Terre? Bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'on est sur Terre? J'espère pas vu l'état de la planète. Bah écoutez, moi je vais me balader doucement. Ouais. Il y a pas mal de... D'accord. Oh, ça rime. Oh, mais l'état des corps. Ils ont l'air d'avoir une peau assez. Bah, après, c'est des cadavres, donc quoi, une peau assez grisâtre, ouais. Ouais. Non, en fait, y a rien à dire de plus sur le fait qu'il y ait une peau assez grisâtre. Oh, le trou. Ah, au tout début, dans la cinématique de début, on était quand même en train de ramper à l'extérieur avant de tomber dans ce complexe bizarre. Quand on rampait dedans et en même temps à l'extérieur, il y avait des sortes de flashbacks assez particuliers. Ouais. Ouais. C'est vite fait le pont qu'on avait vu, je sais pas trop. Ok. Très belle arche. Non mais niveau... Ouais, c'est sympa quoi, je voudrais pas ça dans mon jardin ou chez moi, mais c'est sympa, ça va bien avec le décor. On va essayer d'être gentil avec ce qu'il y a dans ces lieux, parce que, hein, je sais pas si... Ça a vraiment pas l'air d'être gentil, je pense pas qu'on peut dire que ça a l'air gentil du tout même. C'est très particulier. Ouh là, ouais, c'est très particulier. Je sais pas trop ce que c'est. Des sortes de... un corps peut rentrer dedans, hein, donc je sais pas si c'est des cercueils ou... Bonjour. Je voudrais monter. Non, je peux pas. D'accord. Petite atmosphère violette, hein. On est sur des tons violet-rose. Il y a un truc au centre, là-bas. Écoutez, je vais continuer de m'en rapprocher, je pense. Wow, il y a un grand truc ici aussi. Ouais, un corps humain, ça y rentre largement, ouais. On dirait limite des capsules qu'on pourrait éjecter dans l'espace en cas de problème d'un vaisseau. Je sais pas, je fais des théories. C'est un peu chaud quand même pour des capsules, mais ça pourrait être des capsules de sauvetage. À la Subnautica, bon, après le pod de Subnautica est un peu plus gros, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très particulier, il y en a vraiment beaucoup. J'ai aucune idée de ce que c'est, vraiment, à part peut-être soit des cercueils, c'est un peu grand pour des cercueils quand même.
Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop pour être honnête. Il y a l'air d'avoir des. Ça a l'air de se faire absorber là-bas, hein. Je suis pas fou. Est-ce que je peux marcher sur. Non, je peux vraiment pas aller là-bas. Bon, bah, j'ai compris, on va aller le voir lui, hein. Moi, je voulais aller voir l'autre là-bas, mais on va aller voir lui, y a pas de soucis, y a pas de soucis. Et là aussi, ça se fait absorber. Je sais pas trop si c'est le vent qui souffle des trucs ou si y a un truc qui absorbe, parce que ça a l'air de monter quand même. Non, c'est un caillou, ok. Bien, est-ce que je peux m'en approcher? Parce que en vrai, à l'intérieur c'était bizarre, mais l'extérieur c'est limite pire. Vu comme c'est à la fois vide et désertique, c'est. Waouh! Ah ouais. J'ai pas trop l'impression qu'on puisse plus s'approcher, mais. Ouais. Je vais. On peut monter là-dessus? Ah oui, on peut monter. On peut quand même monter. Donc peut-être que. Peut-être que. Oui. Non, non. 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 Juste non. Bonjour, ça c'est le grand mur duquel on venait, non? Oh, j'avais pas vu. Je suis pas sûr que ça soit. Ah, une bonne idée de se balader à côté de ça. En fait, l'extérieur, ça me fait un peu plus peur que l'intérieur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut arriver d'en haut et m'attraper avec des tentacules bizarres. Donc, je veux retourner dedans. En fait, je vais nulle part ici, je crois. Ça, c'est vraiment l'enfer. Hein? Vraiment. Ça pourrait être une belle description de l'enfer, ça. Y a rien qui a l'air gentil, y a tout qui a l'air méchant surtout, oui plutôt. C'est pas qu'il y a rien qui a l'air gentil, c'est que tout a l'air vraiment méchant pour le coup. Bah, go se balader dans un nouveau complexe. Hein. Moi, je suis partant, hein, vraiment, y a pas de souci avec ça. Oh mais le mur. Ok. On va aller par là. J'ai besoin de, voilà, la sécurité d'un truc au-dessus de ma tête. Là, c'est effondré. Ben voilà, non, mais on va re-rentrer, hein, y a pas de souci. Je voulais sortir, mais maintenant je veux re-rentrer, en fait, c'est. S'il vous plaît. Voilà. Là, je me sens un peu plus à l'aise. Y a une zone qui charge. Ça lag, y a une zone qui charge. C'est la règle. Oh, mais c'est très très particulier par là quand même. Ouais, c'est. Je me répète pas mal hein, depuis le début de la série, mais. C'est un putain de squelette, non? Non, c'est les sortes de capsules bizarres là. Capsule cercueil, je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais, vraiment. La direction artistique. J'aime beaucoup. Le style est vraiment très part. Ah bah oui, d'accord, on revient donc ici. Le fameux truc qu'on a fait exploser, ouais. Mais la direction artistique, pardon, ouais, vraiment. Ah, j'aime beaucoup, quoi. Ah, il y a quelque chose, hein, on va pas se mentir, il y a quelque chose. Ah. De toute façon, de l'autre côté, c'est fermé. Bien écoutez, je suis à l'extérieur de là où j'étais tout à l'heure, visiblement. Et ça fait des particules bizarres. Mais il n'y a pas de souci, je vais prendre le seul chemin qui m'est ouvert, hein. Et puis voilà. Ça, par contre, ça fait vraiment penser au truc d'Hermaïs Mora, c'est ça que je disais dans l'épisode 1. Je sais pas si vous voyez dans son monde, dont j'ai oublié le nom maintenant, il y a des chemins qui se font à peu près de la même manière et qui s'étendent, et dans le trailer, on voit ça, et voilà, et j'entends des bruits, et ça me fait peur. Et ça. Voilà. Voilà. Il tient quoi là? Pas sûr que. S'attarder, non, je vais pas trop m'y attarder. Toi. En tout cas, il y a des. Ouais, il y a des bestioles bizarres maintenant.
Je vais pas tout de suite aller vers là où tu étais. Tu m'excuseras, mais tu me... Ouais, tu m'attires pas, hein, on va pas se mentir. Le petit alien bizarre, de toute façon j'ai pas trop le choix d'y aller, je crois. Le petit alien chelou, il me fait pas trop envie. Ah bah en plus je pouvais pas trop passer de l'autre côté. T'es visiblement parce que c'était fermé. Bah pas fermé mais cassé le pont. J'ai pas envie de passer à côté. Hein. Il fait des bruits chelous. Je vais devoir passer. Je te fais peur, gros, c'est moi le méchant. Pendant 2 secondes, c'est moi le méchant, oui. Dans 10 secondes, tu reviens avec ta famille et... Et ben moi, je suis votre nourriture. Oui. Il y a l'aération, mais c'est bien, voilà. Il faut penser à aérer parfois. Pour pouvoir respirer. Vu le complexe que c'est... Il se balade là-dedans. Bonjour. Si vous faites pousser des œufs d'aliens en plus, franchement, c'était pas nécessaire. Hein, j'insiste, c'était pas nécessaire. Je peux pas utiliser ça non plus. Ça fait des petits bruits, hein. Je les entends. Hein. Je suis pas fou. Et toi, je peux pas t'utiliser non plus. Donc, ok, ça, ce serait un truc auquel il faudra revenir plus tard. Pas de soucis. Petite pause grattage d'oreille, c'est pas pratique avec le casque. Ouais. Arrête de te balader dans les conduits d'aération, s'il te plaît. Ouais. C'est. Y a rien par ici, très bien. Très très bien. Là, il y a une porte, mais je suppose que je peux pas l'ouvrir. Ouais. Et là... Ah, oui, donc on est de l'autre côté de là où on était la dernière fois. Ouais, ça y ressemble bien. Il y avait le truc sur la droite. On pouvait passer sur le côté là. Il y avait cette porte, on ne pouvait pas ouvrir. Que je ne peux visiblement toujours pas ouvrir. Hein, on est d'accord, je vais vouloir tester, hein, on sait jamais. Il a l'air de voir un truc ici. Pour aller de l'autre côté. Bien, très bien. Par là, je pense que j'ai regardé quand même tout ce qu'il y avait. Hein. Pas manqué de détails, hein, non. Non, 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 non. Bien, on va rebrousser chemin. Par là, j'ai regardé, c'était des trucs bizarres et j'avais pas accès. Et par là, c'est de là que je viens. Peut-être que si, je dois avoir accès à quelque chose quand même. Sinon, je vais retourner encore en arrière, c'est que j'ai loupé un autre truc. Ouais, ça peu importe le sens, je peux pas l'utiliser. Ça, on est d'accord, je peux pas l'utiliser non plus. Ça, je peux pas l'utiliser. Et là, je peux pas descendre. Là, sur les côtés, y a rien. Écoutez, on va retourner en arrière, hein. Pas de soucis. Pas de soucis. C'est un peu moins stressant ici, vu qu'il y a plus la créature qui est partie. Elle est plus là, elle est un peu plus loin, quoi. C'est moins stressant et on peut mieux écouter les petits bruits bizarres. Voilà, je pouvais vraiment pas y aller. Et ici, je ne peux pas y retourner. Donc, il y a bien quelque chose à faire dans cette zone. Qui, encore une fois, me pose souci. Je suis donc en train de faire un test de QI qui me montre que je suis débile. Pas besoin de ça pour le savoir, merci. Alors, j'ai dû louper des trucs, genre... Peut-être ça, non, même pas. Là, je peux pas y aller, on est d'accord. Non, mais j'ai forcément dû louper un truc. Ah bah oui. Oui, j'ai loupé un cadavre. Ah, il est assez visible quand même, hein. Le cadavre, on va pas se mentir. On va pas se mentir qu'il est visible. Ça, je peux pas. Non, ça, je peux pas. Mais toi, je peux te voler une batterie. Bah oui.
Et entre nous, la batterie, pourquoi est-ce que je veux l'utiliser? Est-ce que je veux l'utiliser pour la mettre là-dedans et fuir? Plutôt qu'activer les trucs d'alien? Possiblement. C'est peut-être pas qu'une batterie. Des fois ça fait des bruits différents, genre là tchou tchou. Ah oui voilà, bah ça apparemment c'est bon. Je sais pas ce que j'ai ouvert mais je l'ai peut-être ouvert. Ça non. Voilà vraiment par... je crois que j'ai, ouais c'est bon, j'ai fait le truc que j'avais à faire avec. On peut tester dans tous les sens, on va pas se mentir non plus sur ça, mais ok. Bah très bien. Il y avait un truc qui ressemblait à ça là-bas aussi, donc voilà, on va l'utiliser ici. Est-ce que tu fonctionnes dedans? Oui. Oh non! Non! Tu donnes pas d'essence à un alien devant moi, je veux pas voir. S'il te plaît, merci. C'est gentil. Ça, je voulais quand même tester. Ah, et ça... Eh bien, ça repart. Mais j'ai ouvert sur les côtés. Un petit ascenseur. Après, j'aime bien leur système pour appeler les ascenseurs et tout. Hein, c'est quelque chose. Je vais juste faire un tour rapide. Bon, je pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Ok. Eh bien, prenons l'ascenseur. Maintenant que je vois que ça me bouffe pas les doigts, ça me fait un peu moins peur. Ok, ça c'est pour le rappeler de nouveau, je pense. Ouais, me fait pas peur. Ok, là y a rien. Pourquoi je peux pas passer? Sérieusement, y a quoi qui m'a bloqué à 2 cm là? Ah, un petit bout de truc qui pend. Ouais, ok, un truc qui pendouille, c'est ok. C'est ok. Alors maintenant, lui, il est encore là. Je vais aller voir de l'autre côté, mais... Oh non. Bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Non, mais j'ai compris hein, que j'allais devoir en affronter. En plus, ça dégouline, mais il va me sauter dessus. Non, c'est bon. Par là, c'est pas par là, on est d'accord. Ouais. Bah, prendre le... de l'endroit exigu qui me... ça résonne. Ça me fait pas trop confiance vu la bestiole, mais... Oula, ça je l'ai vu dans le thriller. Où veut-on aller? Ah, il y en a que... il y en a que trois. Bon, on va prendre le premier, hein. Voilà, merci. Où est-ce que ça nous amène? Il y a quoi par là? Ok, c'est bon. Ouais. Ouais, ok. J'étais dans le truc là. Je suis passé par là. On est d'accord que je viens de là. Ouais. Wow, putain! Oh, j'avais pas vu le corps. Juste avant, je vois qu'il y a un truc derrière. Est-ce que je peux utiliser ma clé? Visiblement, oui. Ok. Faut bloquer les trucs qui tournent. D'accord, je comprends mieux. Là, il va se mettre là. Non. Non, il se met pas là, d'accord. Il se fout de ma gueule. En
fait, il n'est pas H24, c'est ça. Là, il va y être. Ok, et l'autre, il est là-bas. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Oui. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça l'a fait. Et ça, c'est bien. Pour moi, ce sera plus à faire. Là, de toute façon, je peux pas trop continuer, apparemment. Ouais. Donc, c'est peut-être juste des portes à ouvrir à chaque fois. Toi, je veux juste que tu t'enlèves. Merci. Et s'il est mort en utilisant ça, ça me rassure pas trop trop. Ah, j'ai plus mon truc dans la main. Très bien. Et toi, tu ne l'as pas. J'ai plus mon truc dans la main. Ok. Je venais de la droite là-bas. Oui. Et maintenant je vois que là-bas c'est des corps, donc j'ai peut-être pas trop envie d'y aller tout de suite. J'ai plutôt envie d'aller là-bas. Ça doit se relever au bout d'un moment. Je sais pas trop. Oula. La ventilation, bonjour. Pas l'alien bizarre, s'il vous plaît. Là, il n'y a pas de nouveau. Non, il n'y a rien. Pas de soucis. Allons dans un endroit très exigu avec un alien bizarre. Après, c'est la première fois qu'on l'a rencontré, c'était un truc comme ça, mais bon. Mais il m'amène à son nid, en fait. Moi, j'y vais, c'est ça le pire. Est-ce que, à tout hasard, je peux t'empêcher de tourner en arrachant les trucs? Ah oui, ça a l'air d'être le genre. Oh bah oui, hein. Moi je l'empêche de tourner. Hein. La ventilation, faut la couper. Hein. C'est fait pour ça. C'est bon, les trois pales ont fini. C'est bon. Ah ça, j'en étais sûr qu'il allait me sauter dessus. Est-ce que ça veut dire que je suis mort ? Oula non. Oh, en fait l'alien c'est une putain d'arme. Oh ben là. Oh ben let's go hein. Si l'alien c'est une arme, go la symbiose. Moi je suis partant pour une bonne symbiose hein. Et schlac. Ah ouais. Ah, c'est pas l'arme la plus efficace au monde, mais je pense qu'un coup comme ça dans la gueule. On a bien vu ce que ça faisait tout à l'heure. Ah non, il n'y a pas de souci hein. Pas de soucis du tout, je vais aller péter les œufs avec ça. En vrai, je suis juste curieux de voir ce qu'il y a dans... Déjà derrière les pales. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Bon, il y a un truc que je vais aller voir après. Je veux juste voir le truc là-bas. Donc... Nous, on vient de là au départ. Avant, on était là. Et là, il y a des cornes. Je veux juste voir si c'est bouché ou s'il y a un truc à faire. C'est bouché de cadavre. Ok. Ah, je voulais juste voir si ça faisait quelque chose, mais non. Bien, écoutez. On va aller voir derrière les pales. Vu qu'on les a coupées, autant y aller. Hop là.
Y a-t-il un truc par ici? Ah bah oui, là il y a un truc pour descendre déjà. Et là il y a un truc que je peux utiliser. Ouais. Alors de nouveau les énigmes comme ça, ouais. Ok, non, toi tu vas là. Ok, en haut. Et là, toi t'es là. Non, trop tôt. Voilà. Ça c'est bon, et ensuite on ramène. Nickel. Particulier les serrures dans ce monde, mais ok, pas de soucis. Là c'est de nouveau un ascenseur. Ouais. Juste. D'accord, je peux pas descendre par là. Est-ce qu'il y a un truc? Non, ici c'est. Ok. Pas de soucis. Je prends l'ascenseur. Je sais pas où il va m'amener précisément, mais pas de soucis, je prends l'ascenseur. Bah, il va me faire monter en vrai. Bon, je pense qu'il va me faire descendre. Ouais, il me fait descendre. Mais est-ce que je vais pas me retrouver? Ouais, ouais, si, voilà, derrière la porte de tout à l'heure. Ok. Ah, mais je peux récupérer un bon bras. Ah, ouais, go se remettre un truc dans le bras. Eh mais est-ce que je suis pas tout simplement quelqu'un d'autre en fait? Est-ce que notre conscience ne serait pas allée dans un autre corps? Ou juste on joue quelqu'un d'autre? À méditer en vrai! Et ça, bon, moi ça ouvre la porte, logique. Excusez-moi, petite pause, petite ellipse, le temps que je regarde combien depuis combien de temps dure l'épisode. Là, je peux pas. Hein. Ouais, je peux pas. Bon, go au niveau des œufs, exploser les œufs. Mon plan de base. Est-ce que, après, est-ce que ça s'utilise là-dessus? Non. Est-ce que ça s'utilise là-dessus? Non plus. Est-ce que ça, je peux le réutiliser? Visiblement, il me manque une sorte d'œuf bizarre. Où ne suis-je donc pas allé? Très sûrement quelque part par là. Ben non, par là j'ai fait tout. Il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Au moins maintenant je peux réouvrir les trucs. Mais j'avais pas un truc justement où je pouvais pas ouvrir en haut, au niveau des œufs et tout. Je crois. J'étais en mode bah oui, j'ai plus mon truc dans la main. Donc ça va pas fonctionner. Un ascenseur. En vrai j'aime bien leur système d'ascenseur. Premier degré, il est. Ça a l'air marrant en vrai de tirer sur le truc. Je sais pas trop la texture, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer. C'est bizarre que ça puisse paraître. Voilà, ça a l'air sympa comme texture. Enfin, sympa, c'est un bien grand mot. Ça a l'air particulier, mais... Ah oui, c'était en haut, là-bas, au milieu. C'est bon, je me souviens que j'avais dégagé le corps. Sympa, oui et non. Ça a l'air particulier, mais voilà. J'ai envie de tester l'expérience, quoi. Bon, bon. Oui, ça c'est le truc pour après. Là, j'arrive en haut, il n'y a pas de souci, blablabla. Et là, sur la gauche, il y a le cadavre que j'ai dégagé et ce truc que je ne pouvais pas utiliser, mais que maintenant je peux parce que j'ai récupéré mon truc dans mon corps. Oula.
Ah, c'est pour mettre de l'acide, ok. C'est pour mettre donc dans ces corps-là qui puissent fondre. Ouais, maintenant je vais pouvoir y aller. Visiblement, oui. Très bien. Ça me débloquait les trois œufs qui me manquaient. Bah, les gros, le troisième œuf, ou le troisième truc qui me manquait. Et là, il y a quelqu'un qui arrive en haut et qui vous met de l'acide quand vous passez. Miam. Go mourir fondu par de l'acide. Je peux marcher dessus quand même, là, au moins. Ouais, c'est bon. Ouais, ça a l'air efficace comme acide. Hein. Ça a bien liquéfié les corps. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais ça les a bien liquéfiés. Ouais, ben bah, effectivement, c'est le dernier truc qui manquait. Ok, toi c'est là. Le premier, on voyait pas du tout. Je crois. Pour ça, on devait entendre les touk, touk, mais on les voyait pas. Et lui, on voit que la moitié. Ok, toi t'es en dessous. Non. Trop rapide. Y a pas de soucis. En vrai, il doit être comme ça, ouais. Ouais. Voilà, parfait. On a 4 anneaux maintenant désormais, donc on va pouvoir mettre les 4. Ok. Si j'ai fait gaffe, il y avait que 3 anneaux dans le précédent et 2 avant. Donc effectivement, à chaque fois, on a récupéré un anneau. On peut retourner ici. C'est très particulier, mais je commence à m'habituer au jeu, quoi. L'esthétique du jeu, le monde un peu chelou avec des... Je suis trop, mais c'est bon, c'est au bon endroit. Avec des trucs organiques un peu partout qui sont pas forcément très rassurants, mais... À force d'y vivre, on s'y habitue. C'est perturbant au début. Bon, de voir ce corps-là, c'est... oui... Ah ouais, j'avais pas vu ce détail-là, mais oui. Ouais. On n'a rien vu, hein. Mais ouais, devoir se mettre des trucs dans le bras, là, c'est ça que je voulais regarder. C'est particulier aussi, mais... Ok. J'accepte. Là, il y a les casses, c'est bon. Tu peux laisser dedans? Oui, merci. Et du coup, ça, c'est... D'accord. Ah ok, j'ai capté. Non. Si. Non. Ok, c'est particulier ça aussi. Quand est-ce que je vais chercher le dernier? Parce que c'est avec celui-ci que je vais avoir celui du bout, quoi.
Plutôt comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? Ok, oui, c'est lui qui bloque. Donc il faut faire ça. Ça. Non. Ça, ça, non. Ça. Okay. Alors, d'accord. Ouais, c'est un peu particulier ça. J'ai mis du temps à comprendre tout ce qu'il faut faire, mais le premier il doit aller donc tout au bout, le deuxième en haut. Donc là, je pense qu'on avait un bon début. Lui, il faut vraiment qu'il aille là-haut, ça c'est sûr. Le troisième, il va se retrouver là. Et lui, il va se retrouver là. Voilà, ça c'est bon. Ok. Ça me paraît un peu plus logique désormais. Que j'ai compris comment que ça fonctionnait, mais j'ai bugué, je parlais plus du tout, j'étais à fond dedans. Mais ok. Donc ça, je suppose qu'avant, je pouvais peut-être pas l'utiliser. Est-ce qu'il y a des trucs aussi à utiliser sur le côté Non, apparemment, ça fonctionne pas, donc il n'y a que le premier. Il y a des corps humains dedans. J'ai envie, par contre. Pardon. Ça fait un... Mais c'est des putains de corps humains. Enfin, humain, je sais pas si c'est vraiment humain. En tout cas, c'est humanoïde, ça c'est sûr. Ah ouais, y a des trucs qui poussent dedans, là. Oh. Particulier aussi, ça. Nouvelle aptitude. Oh, on va pouvoir ouvrir les portes. Le petit bruit que ça fait à côté. Oula! Ça va m'attaquer, hein? Non, ça m'attaque pas. Ça naît. Ça meurt en plus. Ok. Ah, mais. Mais c'est pratique, en fait, d'avoir plusieurs mains. Mais c'est grave pratique. L'alien, juste, on a vraiment fait une symbiose. Il me donne des mains en plus, je peux porter plein de trucs, mais c'est génial. Et je suppose... je suppose que ça peut ouvrir les portes, hein. C'est le même logo et tout, ça me paraît très logique. Et on retournerait donc dans les zones d'avant qui avaient plein de portes à ouvrir. Ouais... Oh, mais sympa l'alien en vrai! Il voulait juste faire une symbiose, mais il est grave sympa en fait! Mais il n'y a pas de souci tant que tu me tues pas. Ça devait être un peu douloureux au début, mais. Mais let's go! Mais let's go la symbiose! En plus, maintenant j'ai une arme et tout. T'as une arme vite fait, hein. Il y a mieux comme arme, mais. Je sais pas ce que c'est les petits points. Les 8 petits points en haut à gauche, là, à côté de ma barre de vie. Ni le truc à droite, mais bon. Toi, du coup, tu peux t'ouvrir. Visiblement, oui, ça donne sur ce qui semble être un ascenseur que l'on va prendre de suite. Ah, qui nous descend. Je pensais vraiment qu'on allait monter, mais non, on descend. Et nous voici arrivés. Oula. Apparemment, la symbiose, ça se passe pas si bien que ça. Ouais, apparemment, ça se passe pas exceptionnellement bien. Oula, j'ai ma vie qui descend. Ah oui, d'accord, juste de... Ouais, on est de l'autre côté, donc, de ce que je voyais qui me posait problème avant, j'étais en mode, ah, comment on y va? Et bien comme ça. Et je pense que c'est une fin d'épisode. Je vais juste aller voir là-bas pour confirmer. Oui, on est de l'autre côté. Très bien, et là, il y a un couloir, là il y a un truc qu'on va tester juste après, qui à mon avis ne va pas fonctionner, on va nous donner un petit truc en plus, je sais pas trop.
Mais ouais, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou bien un commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode. Et au revoir.